Retrouvez toute l'actu du RCT sur le blog des supporters. www.blog-rct.com www.blog-rct.com. Actu, transfert, interview, vidéo. Vous saurez tout sur les rouges et noirs sur www.blog-rct.com. Blog non officiel. Et ils sont contrés dans les airs, ils ont été décryptés, ballon récupéré par les Toulonnais, c'est même un en avant qu'a signalé l'arbitre avec un avantage en cours en faveur du rugby club toulonnais. Nous sommes à l'entrée des 22 mètres du stade toulousain. Sébastien Bruno vient d'alerter Bakis Botta, refoulé. C'est terminé. Hein. Thius Bord qui anime encore avec Matt Guiton, premier attaquant. Matt Guiton qui va trouver le déséquilibre. Il est passé, Matt Guiton les appuie. Oh la passe, parfait. Oh, c'est splendide. Oh, c'est magnifique. C'est génial ce que vient de faire Matt Guiton. C'est génial sur les jambes. C'est génial aussi parce qu'il a levé la tête et puis la technique individuelle. Ah oui, mais ça c'est l'illustration de la classe de ce joueur. Exceptionnel, sens tactique et technique, avec un ballon un petit peu cafouillé. Retour à l'intérieur de Matt Guiton. Tout part de cette touche avec un contre, un en avant de Jean Bouillou qui ne va pas parvenir à se saisir du ballon et à le contrôler. On le voit très bien sur ce ralenti. Et là, regardez Guiton qui choisit de repiquer à l'intérieur. Il va naviguer au milieu des avants, trouver un couloir, ressortir à l'extérieur. Et s'il vous plaît, admirez la qualité de la passe en direction d'Alexis Palisson qui avait fait l'effort de sortir et d'offrir une solution, certes très loin dans son couloir, mais une solution quand même de passe pour Matt Guiton. C'est parfaitement joué de la part des Toulonnais. Il le sait Alexis Palisson, qu'il le doit beaucoup à Matt Guiton. Ce troisième essai dans sa saison en top 14, la classe du joueur international Matt Guiton. On avait vu Luc McAllister réaliser des gestes techniques équivalents avec le Stade Toulousain. C'est toute la différence, tout le plus apporté par ces joueurs de l'hémisphère sud qui travaillent énormément tous ces gestes à pleine vitesse. Ils ont ce goût pour le travail de ce qu'ils appellent les skills, qui sont pour eux le baromètre et les choses essentielles à maîtriser lorsqu'on veut être un joueur de rugby de haut niveau. Et puis aussi cet avantage d'avoir pu évoluer dans un championnat qui est le Super Rugby, où on croise beaucoup plus de phases de jeu similaires à celle-ci que dans le top 14, où globalement le plan de jeu est quand même beaucoup plus austère et plus fermé. Pour le plaisir des yeux, voilà, la dextérité et surtout la lucidité de Matt Guiton qui va lever la tête et ensuite adresser une passe splendide en direction de Palisson. Toulon mène 8 à 6 face à Toulon.